mariés vont s'asseoir. Et pendant qu'ils vont prendre... Je vais inviter le pasteur Jean-Félix pour le message. Merci beaucoup, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Regarde, j'aime la joie. Tes acclamations, ça ne mérite pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Ça commence à monter petit à petit, mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour la gloire de notre Dieu? Je sens la chaleur, mais ce n'est pas... Notre Dieu ne mérite pas ça. Notre Dieu, on doit s'élever, acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer pour la gloire de Dieu? Il n'y a que lui qui peut faire ce genre de choses. Non, il n'y a que lui qui peut accomplir déjà ce genre de choses. Amen. Reprends ta place, s'il vous plaît. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. La Bible dit, tiens, envoyons la parole. Et la parole nous a guéris. Sois la parole, parle cet après-midi, car nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, révèle-toi tel que tu es, dans ces lieux et au milieu de ton peuple. Que toute l'honneur et toute la gloire soient rendues à toi, Christ et Jésus. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et en elle était la vie en abondance. Adonai, montre-toi Seigneur, afin que toute l'honneur et toute la gloire soient rendues à toi, Christ et Jésus. À ton nom, Jésus, nous avons ici prié. Nous disons tous Amen. Amen. Je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse. J'aime ces moments. C'est l'unique moment que je ne dois pas vous prêcher, mais je dois les prêcher. Alléluia. C'est l'unique moment. Il y a des gens, des personnes, mais vous êtes là. Mais c'est plus pour eux que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai entendu des gens dire, on acclame pour les mariés. Non, c'est pour bientôt. C'est pour que dans quelques minutes, ça va s'accomplir. Si nous sommes ici, parce que nous voulons cet accomplissement. Alléluia. J'ai un petit pensée cet après-midi. J'aime prêcher quand je prêche. J'aime aller jusqu'à la profondeur. Mais je vais le faire pour vous. Parce que si vous ne savez pas ce que vous le faites aujourd'hui, vous ne saurez pas réussir. Alléluia. Amen. Il y a l'une des plus grandes questions que tout le monde peut poser. Quel est le véritable secret pour le réussite de mon mariage? Je pense que ça, c'est les questions qui viennent souvent. Parce que lorsque des gens se marient, et des gens échouent aussi. Venez, avant ici, vous étiez chez des parents. J'aimerais vérifier, est-ce que des parents ont eu leur argent ou pas? Est-ce qu'il y a, c'est maman Rachel, est-ce qu'il y a des membres de ta famille sont là? Parce que le pasteur ne saura pas vérifier, je préfère vérifier. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, vous, le responsable, et maman Rachel, alléluia, j'aimerais être sûr, hein? Elle est où? Alléluia. Alléluia. Amen. Ah bon? D'accord, c'est pas grave. Mais de toutes les façons, il faut vérifier que tout va bien. Alléluia. Amen. Et lorsqu'avant ici, vous étiez chez le monsieur le maire ou madame la maire, on vous a dit aussi, si ça ne va pas, voilà ce que vous devez faire. Alléluia. Mais l'endroit que vous avez choisi de venir, c'est l'endroit dont le maître nous a donné aussi des conseils, des directives. Que dois-je faire? Qu'est-ce que vous devez faire lorsque tout va mal? Comment vous pouvez évoluer et réussir? Ce sont des bonnes questions que vous devez poser.
Mais j'aimerais vous dire, vous avez fait un bon choix. C'est pour cela que ça vient au dernier lieu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Vous avez choisi qu'il soit le dernier. Parce que la Bible dit qu'il est le premier et le dernier. Alléluia. Il est le premier et le dernier. Cela veut dire le commencement de toutes choses. Et le dernier. Il y a un petit pensée que nous voulons lire aujourd'hui. C'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 18. Écoutez bien ce conseil. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Je lis 1 Jean 3, le verset 18. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Petit enfant, n'aimons pas en parole, s'il vous plaît, et avec la langue, mais en action et avec vérité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Là, j'ai deux versions. Là, on parle de vérité. Mais dans ma version, on me dit avec un vrai amour. Alléluia. Amen. N'aimez pas seulement, Papa Doudoul, n'aimez pas seulement en parole. Maman Rachel, il ne faut pas aimer en parole. Un beau discours. Tu sais, ma belle, je t'aime. Tu sais, mon chou, j'aime beaucoup. Tu es le père de mes enfants. Alléluia. Là, la Bible dit petit enfant. Il y a des fois, on se sent grand, mais devant l'Éternel, on est comme des enfants. Alléluia. Il y a des fois, on dit enfant de Dieu, fille et fils de l'Éternel. Laisse-moi te dire, quand Dieu te regarde comme un enfant. Un bon père, c'est celui qui sait donner le conseil à son enfant. Je voudrais vous dire, papa et maman, si vous écoutez la voix de l'Éternel, si vous obéissez à sa voix, vous n'échouerez jamais. Ici, comme conseil, il te dit, n'aimez pas avec des beaux discours. Il y a des moments, ils vont faire des déclarations. Tout le monde aime ces moments-là parce qu'on attend des belles paroles. Mais aimez, votre amour soit en acte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En acte. En acte veut dire, il y a quelqu'un qui peut dire, je t'aime, mais en réalité, il ne t'aime pas. Il y a en réalité, quelqu'un peut te déclarer des belles paroles, mais dans son cœur, il parle autre chose. Yes. Que Dieu fasse en sorte, si vous êtes réellement des vrais enfants de Dieu, que votre amour soit sincère et vrai. Amen. Le vrai amour. Le vrai amour, vous allez se rendre compte qu'en chaque personne, chaque mariage est béni et semblable à celui-ci. Ils sont habillés comme vous, plus beaux et belles comme vous. Mais en réalité, n'est pas semblable à notre Dieu. Si je suis venu cet après-midi pour mettre un socle dans votre vie, si vous écoutez votre Père, vous n'échouerez jamais. C'est pour cela que Dieu a dit, ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Amen. C'est le langage de ton Père. Cela veut dire, si vous écoutez votre Père, sa voix va dominer dans votre couple. Aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Amen. C'est pour cela, notre langage, la Bible dit, ce que Dieu a uni, que quelqu'un puisse se séparer. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Est-ce que c'est ça? Non. Et la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu a uni que personne ne le sépare. Alléluia. Amen. Je déclare dans ces lieux, sous l'autorité de Christ et Jésus, que personne ne pourra vous séparer si votre amour est vrai. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'aimerais partager un petit pensée. Ces pensées, je voudrais dire en d'autres termes que le mariage, c'est un sport, c'est une équipe, un sport d'équipe. Alléluia. Parce qu'il existe aussi les sports individuels. Je cours les marathons pour ma victoire à moi. Alléluia. Je joue au tennis pour que je gagne moi. Mais il y a les sports collectifs. Cet après-midi, si vous comprenez la voix de l'Éternel, vous ferez une bonne équipe, l'équipe qui n'échoue jamais. Yes. Vous ferez une équipe qui va... Oh non, avec celui qui sera votre coach, vous ne pouvez pas échouer. Yes. Cet après-midi, lorsque les gens veulent se marier, il se pose tellement de questions. Quel cadeau j'aurai? Mon mariage a eu lieu, mais je n'ai pas eu de bons cadeaux. Mais qui va amener le plus bel cadeau de cet après-midi, de cette nuit? Qui va amener le plus belle enveloppe cet après-midi? Cet après-midi, je vous amène quelque chose. Si tu veux réussir, ton coach ne sera pas visible tout le temps.
Ton coach peut se voir à un moment donné, mais à un moment donné, peut être aussi absent. Mais la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yes. Il est présent partout. Amen. Il sait répondre aux besoins quand tu l'appelles. Amen. Alléluia. Amen. Mais il m'a dit, en partant et en allant visiter Doudou et Rachel, amène-les mes consignes. Je vous ai apporté ces consignes qui sont là. Si vous suivez ces consignes, vous ne pouvez pas échouer. Dans son équipe dont lui, il est le coach, l'échec n'est pas avec lui. Mm. Il gagne toujours. Yes. Même dans les tombeaux, il gagne. Mm. Même après la mort, il gagne. Mm. Lui, il ne joue pas. Yes. Il me dit, voici les secrets. Apporte les certes secrets. Bien aimé, la bénédiction peut être charnue. Des gens peuvent le voir comme un théâtre. J'aime ce qui est spirituel parce que l'autre ne peut pas voir, mais moi, je le vois. Et quand Dieu va vous sceller cet après-midi, si vous gardez ces consignes, vous n'échouerez pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces consignes-là? Montrez-les, prenez-les à deux. Montrez-les ces consignes-là. Montrez-les ces consignes-là. Alléluia. Prenez place. Je parle de l'équipe. Papa Doudou, lorsque Rachel échoue, tu as échoué aussi. Maman Rachel, lorsque Doudou échoue, tu as échoué. Lorsque Paris Saint-Germain gagne, il gagne avec des gardiens, des défenseurs ainsi que des attaquants. Ce n'est pas Mbappé seulement qui gagne. J'aimerais vous dire une chose. Si avec Christ Jésus, que Dieu vous amène au-delà de vos capacités, votre victoire sera pour vous et pour vos enfants. Lorsque vous serez victorieux, la victoire ne sera pas seulement pour Doudou. J'ai bien travaillé, j'ai gardé ma famille. Mais vous allez dire un seul langage. C'est pour cela que la Bible déclare, le dé, non, sera dé encore. Il n'y a pas quelqu'un pour me contredire. Soyez avec moi. Le dé sera divisé. Alléluia. Parce qu'on mérite, on est libre de choisir. Soit je fais le bien commun, soit je garde ma part. Mais devant Dieu, vous allez devenir une seule personne. Amen. Alléluia. Si tu es malade, Doudou sera aussi malade. Alléluia. Et si vous suivez ces instructions, l'échec sera loin de vous. Alléluia. Pourquoi il a voulu que j'amène celui-là, ce premier cadeau-là? Parce que tout simplement, chaque jour, lorsque vous allez sentir que rien ne va, revenez vers ce livre-là. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Médite les jours de nuit, c'est alors que tu échoueras. Ah, il y a des gens qui connaissent. Hein? Ah ouais. Ah, mais j'aime ça. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Je peux vous mentir si vous n'êtes pas des dieux. Peut-être vous êtes là, vous regardez. Ah, qu'est-ce que cet homme-là a été dit? Hein? Ah bon, gloire à Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Médite les jours, ta nuit. C'est un. Hein? C'est vrai, hein? Ah, donc vous connaissez aussi ce livre. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu fasse en sorte que tu n'échoues jamais. Écoutez ce qui dit la Bible. Vous êtes? Parce que je croyais que vous êtes avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Il est tellement merveilleux. Comme je disais, il y a énormément de choses à vous apprendre. Il y aura un moment de doute. Les doutes arrivent. Hein? Est-ce que j'ai pris une bonne décision? Alléluia. Parce que j'ai dit à papa, quand j'ai parlé avec papa Doudou et maman Rachel, j'ai dit, le choix que vous avez fait, les diables n'aiment pas ça. Alléluia. Vous étiez en paix. Quand vous le faites ça, il dit, pourquoi ils ont fait ça? Mais j'aimerais vous dire, le coach Jésus, c'est celui qui n'échoue pas. Et lorsqu'on a parlé à privé, je les ai dit, que Christ soit le socle. Alléluia. Observez bien. L'arbre peut être dangereux, l'arbre peut tomber. Vous savez ce qui fait l'arbre ne tombe pas? Parce que l'arbre est enraciné. Alléluia. Amen. Si dans votre vie, dans votre relation, votre vie est enracinée en Christ, vous n'échouerez jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Il y a tellement de choses pour eux, mais j'aimerais faire simple. Parce qu'on ne va pas prendre le temps, parce que le temps déjà est avancé.
Mais nous allons partager un petit pensée. Nous allons lire la Bible dans Marc chapitre 10, verset 9. Marc chapitre 10, verset 9. Marc 10, verset 9, je lis au nom du Seigneur. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Cet après-midi, quand vous avez choisi Dieu, ce qui sépare souvent, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ou a joint. Alléluia. Amen. Cet après-midi, avec ces peuples, avec les hommes de Dieu, nous voulons vous unir. Au-delà de tout conseil, de toute prédication, on peut vous dire, chaque jour, écoutez votre coach. Si un ça ne va pas, allez lui consulter. Regarde, des grands joueurs, leurs coachs ne sont pas plus stars que eux. Mais leur réussite dépend d'eux. Alléluia. On peut dire que le maître n'est pas là. Mais si vous lui faites confiance, vous n'allez pas échouer. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment vous supplier. Je connais votre trajet. Et je connais l'importance de cette réussite. Et je crois après ça, il y aura encore plus de réussite. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Que Dieu vous amène au-delà des exploits. Alléluia. Amen. Que vous soyez un témoignage. Que vous avez crié à Dieu, qui vous a fait traverser des étapes. Parce qu'il y a des gens qui connaissent, qui sont nés à Cana. Mais il y a des gens qui connaissent les déserts, la galère, après la terre promise. Mais il y a des Israélites qui attendent leur, certaines histoires comme des contes. Quand on était en Égypte, mais il y a des gens qui ont vécu l'Égypte. Que cela vous a sert d'enseignement. Parce que vous savez combien Dieu vous a pris et vous a amené et traversé. Et pour continuer notre cérémonie, j'aimerais te demander, s'il vous plaît, de courber ta tête quand nous voulons prier. Éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus, je déclare par le sang de Jésus-Christ et au nom puissant de Jésus, de cet instant après avoir sémé la parole, que la parole prenne vie en elle au nom de Jésus. La parole n'a jamais haï de défaut. Cela dépend de la terre qui la réceptionne. Je déclare que leur cœur soit disposé. Chaque fois qu'ils entendent, ils vont entendre la voix de l'Éternel. Que cela renouvelle, cela produise encore des fruits dignes de la repentance dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que la vie de Dieu entre en eux au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'ai tant enseigné, mais le peu que j'ai enseigné, cher Saint-Esprit de Dieu, c'est que la main de l'homme ne peut pas faire, accomplir cela dans leur vie. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Ah, tu acclames bien. Si tu acclames bien, Dieu est béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de l'Éternel? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons progresser dans notre programme. Nous voulons vraiment avancer. Nous voulons avancer. J'aimerais, avec votre... N'est plus ton enfant. Alléluia. Tout père peut déclarer que je suis son père. Ah, quelqu'un comprend cela? En Europe, c'est pas comme ça. Les enfants d'ici disent, tu n'es pas mon père. Non, nous, c'est pas comme ça. Quand tu es né, la maman de l'autre, si il te voit, il te parle comme ta propre maman. Le papa de l'autre aussi, quand il te voit, il te parle aussi. Mais nous sommes des enfants de Dieu. On n'a pas un seul père. Mais Dieu a mis devant nous des bergers. Alléluia. Cet après-midi, je ne suis pas seul. Je vais inviter sous votre acclamation, pour la gloire de Dieu, le pasteur Bernard qui est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Acclame.
l'église. Comme je disais, j'aimerais inviter, parce qu'on va bénir les mariés, est-ce qu'on peut se vous lever s'il vous plaît? Pasteur, venez s'il vous plaît. Voilà, pour moi, si je peux avoir le micro, ouais, ça peut être appuyé dessus. Voilà, ça va mieux, merci. On est bien content d'être dans cet après-midi. Ça nous rappelle quelques souvenirs, parce que nous avons vécu quelques années en Afrique, en Guinée-Conakry. Les pas pour venir sur le devant, je ne saurais pas le faire. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, c'est très beau. Et c'est vrai qu'on passe là à ce moment des alliances. Hein, du mariage. Et j'aurais voulu quand même partager quelques mots sur le symbolique des alliances du mariage. Parce que c'est une coutume, une belle coutume d'ailleurs, mais pourquoi les alliances? Pourquoi c'est rond? Pourquoi on donne des alliances? Tout simplement, vous savez que le mariage est l'événement qui relie deux êtres pour le meilleur et pour le pire en vue de former une famille. Dans le cas du doudoule, je peux permettre de dire papa doudoule et maman Rachel, comme là-bas. Ceci est vraiment une régularisation aux yeux de Dieu, aux autorités civiles. Hein, on se rappelle ce texte, le verset de la Bible qui dit, alors dans une traduction, que chaque homme soit loyalement soumis au gouvernement du pays où il vit, qu'il lui obéisse et en reconnaisse de bonne grâce la légitimité, car tous ceux qui possèdent quelque autorité en ce monde la détiennent de Dieu et l'exercent sous son contrôle. C'est ce qui s'est passé ce matin à la mairie. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Donc je disais que le mariage est l'événement qui relie deux êtres, pour le meilleur, le pire, en vue de former une famille, pour toute la vie. Toute la vie. Alors au moment du mariage, il est d'usage de partager ces échanges d'alliances. Les époux ont pour l'habitude de se passer l'alliance. Alors je suppose qu'en Congo-Kinshasa, c'est ça? C'est la main gauche, l'annulaire de la main gauche. D'accord. Que signifie cette alliance? Pourquoi portons ce bijou à l'annulaire de la main gauche? Je pense qu'il serait pertinent, quelques instants, quelques minutes, de revenir sur cette tradition et sur la symbolique de l'alliance. Que signifie l'alliance? Le terme alliance renvoie avant tout au pacte, par exemple, qui unit deux familles, qui unit deux groupes, qui unit deux pays, des alliances de paix. Mais aussi pour un mariage, l'union inébranlable d'un homme et d'une femme. Un lien immuable, destiné à être vu. Elle informe cette alliance, si jamais il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, doudou, stop, je suis marié. Regarde, Rachel, stop, je suis marié, j'appartiens à quelqu'un. C'est important, n'est-ce pas, pasteur? Hein, n'est-ce pas? Donc, destiné à être vu. La tradition des alliances dans la cérémonie, alors quelle est l'origine? Très vite. Hein, depuis l'Égypte antique, les couples scellent leur union par un anneau. À l'origine, c'était pas en or, c'était pas en argent, mais c'était en roseau ou en chanvre. En Occident aussi, depuis l'Antiquité, on offre à la femme, à l'épouse, une bague en symbole d'un amour engagé, un amour fidèle. Engagé, fidèle, pour toute la vie, encore une fois. Toute la vie, d'où la forme d'un cercle, sans début ni fin, toujours. L'anneau représente donc l'amour qui traverse le temps, et c'est pour ça qu'il faut, en général, pas la retirer, ou au contraire, la montrer aux autres. C'est une fierté de votre engagement à vie. À vie. Aujourd'hui, les alliances sont plus souvent fabriquées dans des métaux précieux, en or, en argent ou en platine. Elles symbolisent donc la force de l'union, son caractère unique et éternel. Et pourquoi portons, pour finir, la bague de mariage à l'annulaire gauche? Pourquoi? L'alliance se porte à l'annulaire, le doigt de l'anneau. C'est la main gauche qui est privilégiée. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, à l'époque, ça vient des Égyptiens, l'anneau, hein, pensaient en effet que l'annulaire gauche était directement lié au cœur. Par une veine,
que les latins, les romains après ont appelé vena amoris, qui veut dire la veine de l'amour. C'est beau, hein? La veine de l'amour. Ça veut dire un cœur entier pour son conjoint. Vous voyez, on a les trois significations là, importantes des anneaux. L'union inébranlable des deux conjoints. Je rappelle, un homme et une femme. Un amour engagé et fidèle, deuxième chose. Et enfin, un cœur entier pour son conjoint. En plus, vous êtes chrétien. Et ça, c'est pas rien. Donc dans cette alliance, Dieu doit toujours être le premier. Dans votre vie personnelle, dans votre couple, le centre de votre vie, de parents aussi. Alors je suppose que vous avez enlevé les alliances ce matin, après la mairie. Voilà, qui c'est qui apporte les alliances? Voilà, vous venez sur devant. Alors les alliances, elles sont où? Là, là, juste là. Ah, voilà. Venez, venez, devant. Alors on va faire un peu comme ce matin là, dans la mairie, à la mairie. Je crois que c'est Papa Doudou là, qui a mis le premier alliance aux mains de son époux, c'est ça? Et après, continuer votre vie de mari avec Rachel comme épouse et vivre avec elle. Ah merci, c'est gentil. Selon l'ordonnance de Dieu, dans la continuité du mariage, voulez-vous continuer de l'aimer, de la chérir, de l'honorer, de l'aimer de la servir, de la garder en temps de maladie, commandant, en temps de bonne santé, dans la richesse comme dans la pauvreté ou la disette, en renonçant à toute autre femme. Voulez-vous continuer à vous attacher à elle seule jusqu'à la fin de vos jours? Bien sûr que oui. Alléluia! Rachel, maman Rachel, confirmez-vous de continuer votre vie d'épouse avec Doudoul pour époux, de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu, dans la continuité du mariage? Voulez-vous l'aimer, lui être soumise? Soumise parce qu'il vous aime, parce qu'il vous protège, parce qu'il vous honore. C'est beau ça, hein? L'honorer, le servir et le garder en temps de maladie comme en temps de bonne santé, dans la richesse comme dans la disette, en renonçant à tout autre homme. Voulez-vous continuer à vous attacher à lui seul jusqu'à la fin de vos jours? Oui. Puisque vous avez consenti à continuer
dans ce sens. Ça s'est fait devant le regard de Dieu aussi. On va prier avec le pasteur, pasteur Félix, hein. On va prier pour vous, avec toute l'assemblée. Priez pour que vraiment le Seigneur continue à faire de vous bien des instruments de bénédiction, des parents qui élèvent leurs enfants dans la foi, et que Dieu vraiment vous bénisse. Voilà, le pasteur. Voilà. Venez. Ça va aller? Est-ce qu'on peut prier pour elle? Étendez vos mains dans leur direction. Voilà. Nous allons prier. Pasteur Félix, puis après je termine, je prierai avec vous aussi. Allez-y, allez-y. Nous te disons merci, Père. Seigneur, toi, dans notre Dieu, par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Devant ton trône de grâce éternelle, je te présente Doudou et Rachel. Comme dit ta parole, c'est que tu haïs, que personne ne le sait pas. Que la grâce, la protection de Dieu demeure dans leur vie au nom puissant de Jésus. En vertu de l'autorité et la puissance qui m'a été léguée, je scelle leur vie au nom puissant de Jésus. Leur vie est scellée, leur union est scellée au nom puissant de Jésus. Que la grâce et l'autorité de Christ jettent leur vie aujourd'hui, à jamais, jusqu'à l'éternité, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, ce que la main de l'homme ne peut pas faire, accomplis cela dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Que le ciel s'ouvre et qu'au nom puissant de Jésus, que leur union soit reconnue devant le trône de grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus. De cet instant, Père, au nom de Christ Jésus. Seigneur, te remercions parce que c'est toi qui as voulu le mariage, un homme et une femme. Te bénissons, Seigneur, pour Doudou et Rachel. Merci, Seigneur Jésus, maintenant de continuer à les bénir, à les renouveler, à les encourager. Seigneur, merci parce que ce n'est pas rien devant toi, le mariage. Seigneur, dans notre monde, c'est tellement quelque chose de, Seigneur, de parfois d'optionnel. Mais Seigneur, pour toi, c'est important. Seigneur, merci parce que tu les bénis. Seigneur, tu fais d'eux, Seigneur, des témoins efficaces aussi. Merci de les bénir dans leur devoir de parents. Merci pour les enfants. Seigneur, afin qu'ils puissent grandir et suivre le chemin de leurs enfants dans la foi, de leurs parents dans la foi. Seigneur, merci. Et que, comme le pasteur le disait tout à l'heure, que cette parole, Seigneur, qui leur a été donnée la Bible, soit vraiment, eh bien, Seigneur, le critère de leur foi, soit vraiment le Seigneur, la parole qui les conduira, soit le guide, Père, Jésus, que le Saint-Esprit les remplisse, que le Saint-Esprit les amène à toujours aller de l'avant et à vraiment, Seigneur, à marcher avec la puissance de Dieu, avec la gloire de Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour, dans une vie qui te glorifie. Au nom de Jésus, nous les bénissons de ta part. Bénissons-nous les Rachel, les enfants, toute la famille. Amen. 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 Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut acclamer? Merci, merci. Est-ce qu'on peut acclamer? Je te prends dans mon cœur. Yes. Et mon cœur brille d'amour. Nous sommes déjà vers la fin. Que Dieu d'abord, que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois encore béni abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore les bénir? Est-ce qu'on peut les bénir? Non. Est-ce qu'on peut les bénir encore? Soyez Est-ce qu'on béni. Peut les bénir? Yes. Au nom Soyez de béni. Jésus. Bénissez encore au nom de Jésus. Amen. Après la bénédiction, après les alliances, nous sommes l'Église. Il y a le responsable qui est là. Il va vous remettre un certificat qui notifie ou qui témoigne que vous êtes mari et femme. Tout ça, quand vous venez d'attendre le pasteur, que Dieu vous bénisse, pasteur. Les alliances, il a donné toutes les explications sauf de la Bible. Il y a des fois, il y a des choses que nous faisons. Il y a l'État aussi. Nous honorons aussi
Comme Dieu Christ a dit, rendre à César qui est à César, à Dieu qui est à Dieu. Amen. Amen. Le responsable là, il va vous remettre d'abord le certificat. Voilà ce qui certifie votre mariage. Je vous remets le certificat de mariage, donc pour témoigner de la statue de notre église. Amen. Là maintenant, il y aura la signature parce qu'on va clôturer après les remises du certificat. Il y aura.
Thank you.